Bonjour et bienvenue dans la chaîne de la revue automobile. Je suis ici dans la forêt de Fontainebleau, dans un spot assez rare, très peu connu, la mer de sable. Pourquoi ce lieu? Pour être tranquille et vous parler un tout petit peu de l'engin du moment, la Formentor PHV 245. Qu'est-ce que c'est que la Formentor? La Formentor, c'est le premier vrai modèle de la marque Cupra. Alors la marque Cupra, qu'est-ce que c'est? C'est la marque de sport de Seat. Et oui, c'est pas pour rien qu'elle ressemble un peu à une Leon surélevée, mais en version bien plus luxueuse et sportive. Bon, évidemment, l'un des atouts de ce modèle qu'on a déjà fait il y a 3 ans de cela, ce sont ces moteurs thermiques. Alors on dispose d'un de 245 chevaux en essence, c'est le même que celui de la Golf GTI. Il y a le 310 chevaux 2 litres pareil turbo qui lui vient de la Golf R, et vous avez même droit à la VZ5 qui est la plus spectaculaire, qui elle dispose juste du 5 cylindres, du fabuleux même 5 cylindres des Audi RS3. Mais cette version-là n'a rien à voir puisqu'elle est écolo-compatible. Pour être écolo-compatible, tout simplement, c'est une hybride rechargeable. Et oui, la fameuse fée électricité qui permet de faire descendre les consommations vraiment au ras des pâquerettes. D'ailleurs, pour information, quand la batterie est chargée, vous avez officiellement 50 km, un peu plus de 50 km d'autonomie. Et moi, mine de rien, dans le périph' parisien, j'ai fait 45 km environ. Donc c'est vraiment pas mal, c'est même très impressionnant, puisque vous continuez sur les 120 premiers kilomètres, en effet, vous avez une consommation de moins de 3 litres au 100. Ah, ça, si c'est pas écolo-compatible, je sais pas ce qu'il vous faut. Parlons un peu de ce qui se cache vraiment sous le capot de cette voiture. Donc, c'est un petit 4 cylindres d'un litre 4 turbo essence de 150 chevaux, et il est aidé dans son travail avec un moteur électrique à l'avant. C'est une 100% traction avant. Quand ils travaillent de concert, les deux développent 245 chevaux. Et pour vous dire, en mode Cupra, vous les avez vraiment, les 245 chevaux. Attention, ça pousse vraiment fort, c'est super intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant aussi, c'est de surtout rouler avec le mode 100% électrique. Et c'est là où vous allez faire des économies, de belles économies. Seulement, et seulement si vous vous branchez chez vous. Bon, sinon, question sensation, c'est vraiment bluffant d'efficacité. Les 245 chevaux sont vraiment présents. C'est vraiment agréable quand vous mettez le mode Cupra. Là, vous avez toute la puissance qui arrive en même temps. Et même batterie à vide, je précise, même batterie à vide, le travail se fait vraiment en coopération et ça fait vraiment très fort et ça monte très vite. Par contre, question, on va dire, sensation sonore, évidemment, vous ne les avez pas, hein, puisque le moteur électrique fait le gros du boulot avec un tout petit moteur turbo-essence. Mais quand vous regardez le compteur, ça dégage.
Alors, est-ce que cette Cupra PHEV vaut le coup? Oui, franchement, c'est pas si mal que ça. Vous avez quand même des belles prestations dynamiques, un look à tourner par terre, vraiment les gens se retournent dessus, une finition impeccable, et vous pouvez même faire des économies si vous la branchez régulièrement chez vous. Alors quel est le problème de ce véhicule? Il y a toujours un problème. Et c'est évidemment son prix. Elle est vraiment pas donnée. Un peu plus de 45 000 euros, ça dépend des versions que vous prenez derrière, mais avec les belles finitions comme j'ai ici. Ça monte très rapidement aux alentours de 50 000 euros. C'est là où c'est dommage. C'est un très beau véhicule. 50 000 euros, ça reste une somme. Ceci étant dit, elle n'a pas vraiment de concurrence en face d'elle. Vous allez aller chercher qu'une 308 PHEV qui va être à peu près au même prix, mais peut-être avec un peu moins de look, un peu moins sympa, un peu moins éclectique. Là, vous avez vraiment un mélange des genres qui est entre sport et presque familial, hein, parce que mine de rien, j'ai quand même mis mon gamin avec son siège auto derrière. Ça passe crème. Donc, plutôt un bon produit. Dommage qu'il soit aussi cher, mais en ce moment, tous les véhicules sont chers. Donc, en même temps, que voulez-vous? C'est la rançon de la gloire. Bon, sinon, plus de sensations, plus d'explications sont sur le site de la Revue Automobile.